Si tu veux connaître tes paramètres de santé, les bracelets connectés sont des appareils très utiles car ils offrent les nombreux avantages d'une smartwatch à un prix inférieur. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les 5 bracelets connectés au meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver actuellement. Comme toujours, vous trouverez dans la description des liens vers tous ces produits au cas où vous souhaiteriez les acheter ou vérifier leur prix exact. Sur ce, on commence avec la liste. Numéro 5. Xiaomi Redmi Band 2. Le premier bracelet dont on va parler est le moins cher de la liste. Il est disponible sur Amazon à partir de 30€ au moment de la réalisation de cette vidéo. Le Redmi Band 2 présente une qualité de fabrication plutôt décente. Il est fait en plastique et se compose d'un écran noir et d'un bracelet qui est disponible en plusieurs couleurs. Il est résistant à l'eau jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Il a un écran rectangulaire tactile de type TFT avec une taille de 1,74 pouces, une résolution de 247 pixels par pouce et une luminosité maximale de 450 nits. Cet écran n'est pas mauvais du tout, mais sa qualité n'est pas la meilleure. Les fonctions du Redmi Band 2 comprennent la mesure de la fréquence cardiaque et de l'oxygène dans le sang, ainsi que le suivi du sommeil et des niveaux de stress et la prédiction des cycles féminins. Il est également capable de mesurer nos performances dans plus de 30 modes sportifs. Il dispose également d'autres fonctions supplémentaires, telles que la réception de notifications, d'informations météorologiques et bien d'autres encore. Il est contrôlé depuis l'application Mi Fitness et à partir de laquelle on peut accéder à toutes nos données. Le Redmi Band 2 est le choix idéal si vous recherchez un bracelet simple et que vous avez un budget limité. Pour son prix, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une bonne option, bien que personnellement je pense qu'il vaut la peine de dépenser un peu plus et d'opter pour l'une des options qu'on va voir juste après. Numéro 4. Xiaomi Mi Band 8. Le prochain bracelet sur la liste est le dernier modèle de la gamme la plus populaire de bracelets connectés, les Xiaomi Bands. Au moment de la réalisation de cette vidéo, le Mi Band 8 est disponible pour environ 45€. Le Mi Band 8 se compose de deux parties, la partie centrale, qui intègre l'écran, les capteurs et d'autres composants, et d'un bracelet interchangeable. Il présente aussi une résistance à l'eau et à la poussière IP66 et est étanche jusqu'à 50 mètres. Il est doté d'un écran tactile AMOLED de 1,62 pouces avec une résolution de 326 pixels par pouce et d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui le rend très fluide. Les couleurs de cet écran sont vraiment éclatantes et sa luminosité est très bonne, de sorte qu'il est agréable à regarder même à l'extérieur en plein soleil. Il dispose aussi d'une luminosité automatique et d'une technologie Always On qui lui permet de rester toujours allumé. En termes de fonctions, le Xiaomi Band 8 mesure la fréquence cardiaque et l'oxygène dans le sang, le sommeil, le niveau de stress, le cycle féminin et les performances dans plus de 150 modes sportifs différents. Il dispose aussi de fonctionnalités supplémentaires telles que les vibrations, les notifications, le contrôle de la musique, la mesure de la respiration, le chronomètre, les alarmes et bien d'autres encore. Et on peut accéder à toutes nos données depuis un smartphone grâce à l'application Mi Fitness. En ce qui concerne la batterie, dans le cadre d'une utilisation normale, on peut s'attendre à une autonomie comprise entre une semaine et 10 jours, et le bracelet se recharge complètement en une heure environ, ce qui n'est pas mal du tout. Si vous recherchez un bracelet confortable, simple et abordable, le Xiaomi Mi Band 8 est l'une des options les plus sûres. Son écran est très bon, et compte tenu de son prix, ses capteurs sont assez précis. Numéro 3. Huawei Band 8. Le prochain bracelet dont on va parler est aussi une des options les plus populaires du moment, et au moment où je réalise cette vidéo, il est disponible sur Amazon pour environ 60€. Le Huawei Band 8 ressemble plutôt à une smartwatch qu'à un bracelet, de par son boîtier rectangulaire. Ce qui est bien, c'est qu'il est très fin et léger, et qu'on le sent à peine lorsqu'on le porte. Il est disponible en noir, rose ou vert, et est étanche jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Son écran est un panneau tactile AMOLED de 1,47 pouces avec une résolution de 282 pixels par pouce. Cet écran est très esthétique et ne présente pas de bordure, donc l'espace est très bien utilisé. Il est également doté d'une option Always On qui lui permet de rester allumé en permanence. Les capteurs du Huawei Band 8 sont capables de mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et de suivre les niveaux de sommeil et de stress ainsi que les cycles féminins. Il nous permet aussi de mesurer nos performances dans plus de 100 modes sportifs, ce qui peut être très utile. Il dispose de nombreuses autres fonctions supplémentaires, telles que la réception de notifications, le contrôle de la musique, les informations météorologiques
ou les exercices de respiration. Et on peut accéder à toutes nos informations à partir de l'application Huawei Health. En utilisation normale, l'autonomie de la batterie est d'environ 9 jours, mais elle est réduite à environ 3 jours si l'écran est toujours allumé. L'avantage est qu'il se recharge complètement en 45 minutes seulement. Le Huawei Band 8 offre des caractéristiques très similaires à celles du Xiaomi Mi Band 8 qu'on a vu juste avant, mais il diffère principalement par son apparence. Les deux sont de très bonnes options et vous pouvez donc choisir l'une ou l'autre en fonction de ce que vous préférez. Numéro 2, Xiaomi Band 7 Pro. En deuxième position, on a un autre bracelet Xiaomi qui ressemble plus à une smartwatch qu'à un bracelet connecté. Au moment de la réalisation de cette vidéo, le Xiaomi Band 7 Pro est disponible sur Amazon pour 70 euros environ. Il est disponible en noir ou en blanc et ressemble beaucoup au Huawei Band 8 qu'on vient de voir. Il dispose d'un écran AMOLED tactile de 1,64 pouces avec une résolution de 326 pixels par pouce qui dispose également de la technologie Always On et de la luminosité automatique. L'un des aspects positifs de ce bracelet est que, en ayant un écran aussi grand, l'interface utilisateur est beaucoup plus facile à voir et est plus confortable pour interagir. Il est aussi résistant à l'eau jusqu'à une profondeur de 50 mètres. En termes de fonction, le Mi Band 7 Pro mesure la fréquence cardiaque et l'oxygène dans le sang, ainsi que le sommeil, le niveau de stress et le cycle féminin. Une caractéristique supplémentaire de ce bracelet qu'on n'a pas encore vue est qu'il intègre un système de localisation par satellite, ce qui lui permet de connaître notre position et de mesurer la distance qu'on parcourt sans avoir à transporter un téléphone avec nous. Parmi ses fonctions supplémentaires, on peut citer le contrôle de la musique, la réception de notifications, le suivi des performances dans plus de 110 modes sportifs et des exercices de respiration, entre autres. Il dispose aussi d'un microphone qui nous permet d'utiliser l'assistant vocal Alexa qui est intégré. Il prend également en charge la synchronisation avec Strava et Apple Health. Sa batterie dure entre 5 et 2 jours en fonction de l'utilisation que l'on en fait et se recharge en 1 heure environ. En conclusion, si vous êtes à la recherche d'un bracelet qui va au-delà de l'essentiel et inclut des fonctionnalités supplémentaires, telles que le GPS et l'assistant vocal, le Mi Band 7 Pro est un excellent choix. Numéro 1, Fitbit Inspire 3. En première position, on a un bracelet un peu plus haut de gamme que les autres sur la liste et qui, au moment de faire cette vidéo, peut être trouvé sur Amazon pour un peu moins de 100 euros. Le Fitbit Inspire 3 n'est disponible qu'en noir, bien qu'on ait le choix entre différentes couleurs pour la partie du bracelet. C'est le plus petit de tous les bracelets intelligents qu'on a vus et il est conçu pour être très confortable à porter et à peine perceptible. L'inconvénient est que son écran est également assez petit, avec une taille de seulement 0,7 pouces. Cela dit, il s'agit d'un écran tactile AMOLED doté de la technologie Always On qui offre un bel aspect, même en plein soleil. Le bracelet est également résistant à l'eau jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Ses fonctions comprennent la mesure de la fréquence cardiaque, de l'oxygène dans le sang et de la fréquence respiratoire, ainsi que le suivi du stress, du sommeil, du cycle féminin et même la mesure de la température de la peau. Il est également capable d'analyser nos performances dans 20 modes sportifs et inclut une multitude de mesures sur notre santé, dont notre niveau d'énergie et la qualité de notre sommeil. L'inconvénient est que certaines de ces mesures ne sont disponibles qu'avec un abonnement Premium Fitbit, ce que je n'aime pas beaucoup personnellement. L'autonomie de la batterie peut atteindre jusqu'à 10 jours et il faut compter entre 1 et 2 heures pour la recharger. Le Fitbit Inspire 3 est un bracelet capable de fournir toutes les mesures auxquelles on est habitué, mais il a l'avantage d'être très petit et léger. De plus, grâce à son application, on peut accéder à de nombreuses mesures que les autres bracelets ne nous offrent pas, bien que pour certaines d'entre elles, on doit souscrire à un abonnement premium. À vrai dire, je ne pense pas que ce soit le meilleur bracelet intelligent en termes de rapport qualité-prix, mais si votre budget est un peu plus élevé et que cela ne vous dérange pas de payer un abonnement premium, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une bonne option. Tu peux le retrouver via le lien dans la description avec tous les autres bracelets que j'ai mentionnés. Et si tu veux voir une autre liste sur les meilleures montres connectées pas chères, tu peux cliquer sur la vidéo à gauche. Sur ce, rendez-vous dans la prochaine vidéo.